Ben voilà, dimanche après-midi, on se fait chier, on décide d'aller à Argelès. Le port de Bagnoules s'est fermé, impossibilité, donc on se tape un vent de dingue de sud, on va pas pouvoir pêcher. À notre ami Adrien, je trouve que le t-shirt te va bien. Hein. Oui, c'est pas mal ce t-shirt. Je devais aller aux champignons et je me retrouve à la pêche. Bébé, hein, super plongeur. C'est moi. Et bien sûr, votre serviteur. Moi aussi, vous avez vu, j'ai un beau t-shirt loupé. Ça, c'est moi en ce moment. À ce moment, c'est ça. Mais à ce moment, c'est pas moi, c'est la météo qui fait ça. Une horreur totale, cette météo. Mais il y a un vent de dingue. Et hey, mais pourquoi on sort sans déconner? Pour des champignons. Toi, les champignons, je sais pas où tu les cherches. Hein. Donc, voilà. Hein. J'espère que c'est pas toi les cuisses de ces dames. Hein. Tu parles, ouais. Bon, allez, on va essayer de se mettre à l'eau quand même et de s'amuser. Alors là, on arrive à la mise à l'eau. Qui sait sur qui on tombe? Sur qui on tombe? Sur Marlène et sur Fabrice. Hein. Ouais, voilà. Hein. Coucou les petits. Et vous arrivez, nous on part, tu vois. Ouais, vous allez vous régaler là. Ouais, avec le vent qui a, on va se régaler. Ouais. Creux, allez, vas-y. Ouais, alors, Stéphane, tu vas toutes les vidéos. Ouais. Toutes. Tu t'appelles comment? Diego. Diego. Eh bien, allez, Diego. Diego, quand t'as 16 ans, tu viens pêcher avec moi. Ah, il a déjà le harpon. Va le dire, t'as pas le droit, 16 ans, 16 ans. Et la réglementation dit que c'est 16 ans, hein, la pêche du marine. Eh bien, c'est bien, allez, c'est un bon sport, ça fait du bien. Oui. Et toujours en sécurité. Dit, hein. On le dit, salut les petits. Je sais pas où on va, hein. Et là, on est complètement abruti de sortir avec des conditions comme ça. Alors pour des Méditerranéens, c'est pas la peine. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Un vent de sud qui s'est levé, terrible. Je sais pas si on va qu'on pêche un peu d'eau, il n'y a que ça. T'as plus, j'ai oublié de me raser. J'ai l'eau qui va rentrer dans le masque. Et on est en train de se faire secouer. Bon, mais les gars, c'est pas pour dire, hein, mais un peu profond. On a essayé un peu de vérifier le coralligène là des batteries. Et ben, c'est le désert total au fond. Total, total. C'est pas avec ça qu'on va trouver le poisson. Hein. Allez, on va essayer de se rapprocher du bord, peut-être que... En fait, moi, j'ai l'impression, hein, que l'Adrien, que le poisson, il est vraiment dans très très peu d'eau. Hein. La thermo est à 6 mètres. Ouais. Thermo à 6 mètres. Donc au fond, c'est vraiment la platitude complète, il n'y a rien. Les passer sur des pierres là que je connais, rien du tout. Bon, on prend l'option de pêcher dans peu d'eau au bord, parce qu'il y a une grosse thermocline, donc autant qu'on soit dans très peu d'eau au bord. Hein. Oui. Ok. Tu as repéré des sards là? Ah ouais, mais difficile. On va essayer. Alors je vais me servir de cette vidéo, non pas pour vous parler de pêche à trous, mais pour vous parler de la fameuse thermocline, car beaucoup de personnes ne savent pas de quoi on parle. En fait, la thermocline, c'est la différence entre l'eau chaude, qui se trouve souvent en surface, et l'eau froide du fond. Cette barrière, en fait, hein, puisqu'il y a vraiment une zone franche de séparation entre les deux couches d'eau, varie en fonction des conditions météorologiques. C'est-à-dire, elle varie en fonction du vent et en fonction des courants. Ils sont à l'autre ouverture. D'accord. Donc, il faut aller chercher l'autre ouverture. Je les vois de très loin, donc je ne peux pas estimer. Devant, il y en avait un petit que j'ai pas tiré, mais de l'autre côté, ils avaient l'air jolis. Attention, il y a autant de variations de la thermocline qu'il y a de zones de chasse. On ne peut pas appliquer la même chose partout. Et Adrien, en fait, les sards, ils sont rentrés à trous parce qu'on a jeté l'ancre. C'est pour ça, ils ont eu peur. On a jeté l'ancre et ils sont rentrés dans la pierre, quoi, en fait. Tant mieux. Mais chez nous, sur la côte catalane, le vent de sud, c'est-à-dire le vent d'Espagne, le vent de mer, a tendance à faire monter la thermocline, c'est-à-dire qu'elle va partir de la zone basse, peut-être 20-30 mètres, et elle peut remonter cette couche très haut. C'est vrai sur la côte catalane, ce n'est pas vrai sur la côte sableuse, attention, c'est-à-dire sur la côte audoise, où là c'est souvent l'inverse, parce que le vent de sud a tendance à ramener l'eau chaude vers le bord et à faire baisser la thermocline sur la sableuse, alors que sur la rocheuse, c'est-à-dire la côte vermeille, elle a tendance à faire fuir
l'eau chaude et à faire remonter la thermocline. Donc c'est très difficile de pouvoir donner des tendances. Il faut vraiment être zone par zone. Je dirais de très loin, je ne suis pas sûr que je l'ai eu. Vraiment, je ne suis pas sûr de l'avoir eu. Donc comme je ne peux pas donner de tendance, je vais vous expliquer surtout qu'est-ce qui se passe. Si la thermocline monte, le poisson, il n'aime pas le froid, il va venir se caler dans peu d'eau. Si la thermocline descend, ben le poisson, il va descendre avec lui. Donc thermocline basse veut dire poisson profond, thermocline haute veut dire poisson pas profond. Dans ces conditions difficiles, c'est déjà un poisson correct. Hein. Allez, on le tue de suite pour ne pas le faire souffrir. Donc si vous rencontrez une couche d'eau froide très vite, eh bien, allez chasser dans la couche d'eau chaude. N'allez pas profond, ça ne servira à rien. Et souvent, les sars sont le premier indicateur. Ils n'aiment pas ça. Quand la thermocline monte, c'est-à-dire quand la couche d'eau froide monte, eh bien, ils vont rester dans la couche d'eau chaude. Et vous allez trouver tous les spécimens dans très très peu d'eau. Regardez, là je suis dans 1 mètre d'eau et je vais tomber sur un labre qui malheureusement pour moi va me fuir. Mais voilà, ce sont des poissons qui d'habitude sont assez profonds quand ils font cette taille. Et bien là, il est remonté, parce qu'il n'a pas aimé l'eau froide, il est remonté dans très très peu d'eau. Et donc, il n'a pas l'habitude de se cacher là. Et je le débusque. Malheureusement, il est un peu plus malin que moi et je rate mon tir. Ah purée! Il est sorti d'un bloc et je l'ai raté. Putain, dommage. Donc, privilégiez toujours la pêche dans les couches d'eau chaude. On va voir encore un exemple là, regardez. Je suis en train de crapahuter dans très peu d'eau. Parce que je sais que quand l'eau chaude est là, le poisson se réfugie là. Et regardez, un loup, deux loups. Alors bien sûr, c'est clair, hein, quand je les vois, je retire mon fusil en arrière. Ils sont trop petits, ils ne sont pas maillés. Donc hors de question de les tirer. Mais ils sont là, dans cette couche chaude. L'eau a été chauffée par le soleil et par l'après-midi. Et ils sont là, tranquilles, en train de se balader. On peut les observer, ils n'ont pas envie de partir, ils n'ont pas envie de partir vers le large parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer cette eau froide. Et on peut les observer de façon assez proche. Et ne les tirez pas hein, s'ils ne font pas la maille, c'est pas évident. Alors en Méditerranée, on est beaucoup plus bas qu'en Atlantique, hein, avec une maille de 42 cm en Atlantique pour une maille de 30 cm en Méditerranée. Mais bon, allez, on va les laisser tranquilles. Ils sont mignons, t'as vu les deux petits loups? Qu'est-ce qu'ils foutent là? T'as vu, ils ont même pas peur. De toute façon, au fond, il n'y a rien. Alors, il faut bien chercher un peu d'eau. Et t'as vu, il y a deux petits loups, ils se baladent. Je l'ai bien filmé là. C'est une belle séquence. Mais il n'y a rien. Hein. On va essayer d'aller un peu plus profond. Adrien, Anne, là, je crois qu'il y a un poulpe. On ne le tire pas, mais on va essayer de le sortir pour le plaisir de le sortir, mais on ne le tire pas, d'accord? Steph qui fait de la chasse marine, les pas à l'air et il a trouvé un poulpe en plus. Vous savez pas, il faut savoir s'adapter. On vient d'avoir l'information qu'au fond c'est froid, glacé à cause de la thermocline et qu'il n'y a pas de poisson. Donc la réflexion que je me fais c'est, puisque là-bas il n'y a pas de poisson, il faut aller chasser en terre, dans l'eau bouillante là, chauffée par le soleil en fin d'après-midi, pour trouver le poisson. Ah, il n'y a pas d'autre solution, il faut s'adapter au milieu, c'est comme ça. On va essayer de trouver ce poulpe. Ouais. Bon, on va le laisser tranquille. Hein. Il est vraiment trop mignon, on va le laisser tranquille. Il est à l'aise, la peinard. Hein, on lui fout la paix. Allez, on continue. Et n'oubliez pas, quand vous chassez, d'enlever les déchets que vous trouvez. Ça nettoiera la mer et nettoiera le milieu. Là, Adrien trouve un ressort. On prend n'importe quoi. Un ressort. Steph, ouais. Où est-ce que j'ai chassé? Ouais, dans une canne. T'as pu arriver là, ça déconne. Je sais pas.
C'est un truc de fou quoi. Hallucinant. On leur ramène au bateau et on le jettera à la poubelle, d'accord? Donc pour reprendre les explications sur la thermocline, là en l'occurrence, ce jour-là, on avait la thermocline qui était basée entre 6 et 8 mètres, c'est-à-dire, vous avez bien compris, hein, la couche chaude en surface et la couche froide au fond. Donc on s'est cantonné à pêcher dans cette colonne d'eau, c'est-à-dire d'entre 8 et 0. Et bien sûr, on a rencontré du poisson comme les sards. J'étais mauvais, ils ont giclé de la pierre, les trois sards. Il y en a encore un, mais gros, parce que le gros il est sorti là, je crois. Hein. Trois queues de sards là. La thermocline est la zone de transition thermique rapide entre l'eau superficielle et les eaux profondes. Et surtout, il y a un facteur très important qui permet de créer une véritable barrière, c'est la différence de salinité. En sachant que souvent l'eau plus profonde est froide et plus salée que l'eau de surface, puisqu'il y a l'apport d'eau douce qui se fait en surface. Et surtout, l'eau du fond est souvent anoxique, c'est-à-dire qu'elle ne comporte beaucoup moins d'oxygène que l'eau chaude de surface qui, elle, est très oxygénée. Donc tous ces facteurs-là, le manque d'oxygène, la salinité plus importante et le froid, font que les poissons vont choisir l'eau chaude, oxygénée et comportant moins de sel. En fait, ils se comportent comme nous. Vous avez un endroit où il fait chaud, un endroit où il fait très froid, ben, logiquement, ben, vous allez aller vers la chaleur. Et si en plus, la zone froide, vous allez manquer d'oxygène, et la zone chaude, vous aurez de l'oxygène à profusion, ben, votre décision sera vite faite. Hein. Vous irez vers la chaleur et vers l'oxygène. Le poisson, il est sur la ficelle, il est sur le nylon. Okay. Je voulais ressortir la flèche par là, mais c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, le trou par lequel je l'ai tiré, le poisson, il passera pas, il est trop gros par rapport au trou. Donc je vais faire l'idée inverse, je vais ressortir la flèche par l'autre côté. Le problème, c'est qu'il faut arriver à sortir le poisson pour le tuer avant de le décrocher de l'autre côté, sinon on l'aura jamais. Et en plus, tout le reste a giclé, tous les autres sont partis. Ouais. Je vais essayer de vous donner une image qui va vous faire comprendre ce que c'est que la thermocline. Imaginez une couche d'eau chaude qui flotte au-dessus d'une couche d'eau froide. C'est vraiment ça, c'est-à-dire ce sont vraiment deux couches complètement séparées et la liaison entre les deux forme une barrière. En été, quand l'eau est très très claire, vous allez voir, quand vous allez rentrer dans la thermocline, des volutes. C'est-à-dire que vous allez voir comme si vous mélangez de l'eau douce et de l'eau salée. En fait, ce n'est pas les mélanges de douce et salée, même si la salinité est différente. C'est vraiment la problématique de température qui fait ça. Et là, vous allez vous rendre compte vraiment, quand vous rentrez dans l'eau glacée de la thermocline, d'un changement complètement de vie, puisqu'on peut arriver même à créer des zones totalement mortes. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans cette eau froide qui ne comporte plus aucun oxygène, eh bien la vie disparaît. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Putain, j'ai tué le truc de mon couteau. Je l'ai fait, je le rattrape. Je vais rattraper mon couteau. Mon poisson. Oh, quelle galère pour un poisson. Ça, c'est du fou. Mais là, il est mort. Il est hors du trou. On va pouvoir défaire avec la queue de cochon, tu sais. On devrait pouvoir défaire maintenant le fil et pouvoir tout sortir. Mais d'abord, il faut que je répare mon couteau. Au passage, je vais vous remontrer l'efficacité de la queue de cochon. Vous savez que tous mes fusils en sont équipés. Avec deux ou trois mouvements de rotation, hop, vous voyez, je décroche en fait mon fusil de mon nylon, ce qui permet de le libérer complètement et de pouvoir l'extraire de l'autre côté de la pierre. Je vous l'ai déjà expliqué souvent, mais voilà, c'est un élément qui est vraiment important dans la pêche à trous. N'hésitez pas à équiper vos fusils de ce système, bien sûr en vente dans la marque Dainty Spearfishing. Sécurité. Alors, en fait, c'est pas un gros poisson et on voit que même sur des petits poissons on peut avoir énormément de difficultés. Et quand c'est une pêche à trous difficile comme ça, mais ça prouve que voilà, c'est la pêche sous-marine, c'est aussi ça, c'est d'arriver à s'adapter au poisson et d'arriver à le débusquer et de mettre en œuvre toutes les différentes techniques pour pouvoir réussir à le sortir au final. Ouais. Voilà. Hop là, en fait.
Donc maintenant, vous savez ce que c'est que la thermocline. Et la thermocline, c'est vraiment la petite couche de transition que vous avez entre la couche chaude et la couche froide. C'est vraiment cette barrière qu'on appelle la thermocline. Et quand vous entendrez certains chasseurs vous dire « Oh, ce jour d'aujourd'hui, la thermocline, elle était vachement basse » ou « Aujourd'hui, la thermocline, elle était vachement haute », vous saurez de quoi ils parlent. Et vous saurez donc déduire de cette information votre zone de pêche en fonction de la température de l'eau. C'est bon, je les ai repérés. J'avais pas compris l'entrée. Là, j'ai trouvé l'entrée que tu me montres. Donc, je pense que... Alors, ça va pas être facile, hein, parce que je pense que le fusil va avoir du mal à pouvoir passer parce qu'il y a une pierre, du sable et la crevasse. Et je sais pas si je vais pouvoir allonger le fusil pour être dans l'alignement de tir. Presque il aurait fallu avoir un 50, là. On va terminer un peu cette vidéo avec une belle action de chasse à trous. Regardez, j'arrive vraiment tête en bas. J'ai mon bras tendu derrière moi, vous voyez, de façon à garder la flèche de mon fusil proche de mes yeux. Je vais placer le fusil dans le trou. J'avance le fusil dans le trou. Il faut essayer de cogner le moins possible le caillou avec le fusil, ce que je fais mal. Et je pose le fusil. Mais ça ne sera pas facile du tout. Parce que je pense que là j'ai placé le fusil, quand j'ai placé le fusil, ils ont glissé dans le fond de la pierre. Tu as regardé de l'autre côté s'il n'y avait pas d'autre entrée? Non, je n'ai pas regardé. Je vais vérifier quand même, hein. On sait jamais. On laisse le fusil les a bloqués là. Et vous pouvez ensuite vous repositionner, votre fusil est déjà en place, prêt pour le tir. C'est toujours des moments difficiles car le poisson sait maintenant que vous êtes présent. Il faut donc vraiment aller le chercher et après le tir, toujours, on récupère sa flèche et on essaye de ramener le plus vite possible le poisson à soi. Voilà, un bossard pris dans une zone, une rague, un trou très difficile. Des fois, un petit poisson comme ça peut donner beaucoup de plaisir parce que l'action est belle et c'est l'action que l'on cherche. Je m'en sors bien. Oui, tu t'en sors bien. Parce que sur un petit réflexe comme ça, il est joli. Et en plus, il est correct. Pour un sard méditerranéen, bien sûr. Hein. Écoute, hey, trois sards, on n'a pas à se plaindre. Hein. Vu les conditions, moi, je pensais pas, honnêtement, quand on est arrivé, je pensais que ça serait plus dramatique que ça. Hein. Ouais. Allez, bon, c'est bien. Adrien, toi, tu pêches pas, tu me trouves les poissons, c'est gentil, mais tu fais la bourse aux déchets, c'est ça? C'est ça. Comment ça a pu arriver là, ça, sans déconner? Un ressort de bagnole ou camion. T'as vu un vieux casier cassé là, par, ouais, au fond, si, ouais. Il qui est décroché, décroché. On va l'évacuer aussi, d'accord? Va le récupérer. Ça va, mon bébé? Ouais, ça va, j'ai réussi à monter sur le bateau. Tout va bien alors. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est dommage alors. Il faudrait au moins. On va essayer de les défaire et de les remettre à l'eau, hein. Il doit être là depuis longtemps, hein, sans déconner. Oh là là. Adrien, dans cette Méditerranée, on fait quelques poissons, mais on fait surtout des déchets. Hein. Des amortisseurs et des casiers, des vieux casiers, alors on les retire. On fait notre part du boulot, n'est-ce pas bébé? Hein? Faut bien, hein? Et puis au final, le vieux, malgré tout, ben, ça sort bien, hein? Eh hey, mon bébé, il fallait que tu mettes les palmes d'Indie Spear Fishing pour faire un poisson, hein? Ouais, c'est ça. Bravo! Bon, c'est une micro-pêche ça, hein, Adrien. Franchement, hein. Allez, on coupe les caudales. Ah, si en plus il les fait tomber, les sards, hein. Alors là, on est mal barré. Hein. Et heureusement qu'il y a Hervé qui a fait deux sèches et qui en a même attrapé une à la main. Hein. Et ouais, j'avais pas le fusil. Le fusil était dans le bateau et c'est trop dur pour chercher le fusil. Et à la main. Bon, mais voilà, ben, écoutez, hein, c'est vraiment une toute petite pêche. Hein. Hein. Ouais, bon, on s'est régalé quand même. À la main. Et... Bon. À la main. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine. Ciao.